commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, « Quiconque boira de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » C'est le disciple que Jésus aimait qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Si on les écrivait, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait.